Alors, l'œuvre de Charles Salomon est particulière puisque on pourrait considérer qu'elle ne forme qu'une seule entité, puisque c'est presque un avant-goût du roman graphique, puisque les 1300 gouaches qui composent l'œuvre de Charlotte Salomon se lisent comme un roman. Elle les a peints dans une œuvre complète qui s'appelle Vie ou Théâtre. Et donc c'est difficile d'extraire un tableau ou un autre de Charlotte parce qu'on est vraiment dans la continuité. Ce qui est extrêmement fort et bouleversant dans son œuvre, c'est aussi cette histoire qu'elle nous narre, accompagnée de textes littéraires, accompagnée d'indications de musique. Et c'est vraiment une plongée autobiographique dans sa vie, une vie extrêmement difficile qu'elle transforme à travers son œuvre en une source de lumière, de joie, de fantaisie aussi. Et ça, c'est aussi ce qui est extraordinaire chez elle, c'est cette façon dont elle a été capable de surmonter tant de douleurs pour en faire une œuvre d'art pleine de vie.